Visite de terrain pour le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le colonel Moussa Cinco Koulibaly, en compagnie du gouverneur du district de Bamako, était en commune 3 et 5. Objectif, suivre l'opération d'enrôlement du RAVEC. Et partout, le travail se fait malgré quelques contraintes, ce que nous dit dans son reportage Alpha Meiga. Bientôt 3 ans que les opérations de ratissage du RAVEC ont commencé sur toute l'étendue du district de Bamako. En commune 3, plus de 8000 personnes ont été enrôlées, tandis qu'en commune 5, sur une prévision de 32 000 personnes, 437 ont été enrôlées. En se rendant dans les différents lieux, le ministre de l'administration territoriale a pu faire le constat. Nous avons constaté que le travail continue et que les équipes sont à pied d'œuvre pour continuer l'enrôlement, mais aussi commencer le processus de pérennisation. Ce recensement doit nous permettre à court terme d'avoir un état civil moderne et sécurisé ici au Mali. À la date de ce jour, lundi 23 juillet 2012, les personnes continuent à se faire enrôler. Quotidiennement, je peux faire 30 ou 35 par jour. À part la machine, je n'ai pas de difficultés. À la date d'aujourd'hui, j'ai réceptionné 121 646 fiches individuelles. Bon, ce qui reste à faire maintenant, c'est le restant des fiches qui se trouvent à mon niveau ici, qui n'ont pas été traitées. Aujourd'hui, une des missions du gouvernement, outre la libération des régions du Nord, reste bien entendu l'organisation des élections générales. Sur le sujet, le RAVEC est d'une importance capitale. Ce projet a pour but d'avoir plusieurs applications. Le ministère de l'économie aura besoin des données du RAVEC parce que les statistiques que nous allons produire permettra au ministère de l'économie d'affiner ses plans. Le ministère de l'agriculture, le ministère de l'éducation, de savoir combien d'enfants auront l'âge d'aller à l'école l'année prochaine. Les élections ne constituent qu'une des applications. Et bien évidemment, nous travaillons et nous faisons tout pour pouvoir offrir toutes les applications possibles. Dans toutes les communes, le ministre de l'administration a rencontré l'ensemble du personnel des communes. À tous les niveaux, le ministre Koulibaly a exhorté les uns et les autres au travail bien fait.